Hey Cisadora, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je t'invite dans ma mezzanine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un haul, donc tout simplement c'est l'anniversaire de mon frère le 1er novembre. Et du coup, bah, en fait, dans notre famille, nous, quand il y a un anniversaire, c'est pas qu'il y a uniquement la personne qui fête son anniversaire qui a un cadeau, c'est les deux. Genre, moi j'ai un frère, donc quand c'est mon anniversaire, on a tous les deux des cadeaux, et quand c'est l'anniversaire de mon frère, on a tous les deux des cadeaux. Voilà. Donc, en gros, c'était l'anniversaire de mon frère, du coup, le 1er novembre, comme je l'ai déjà dit. Du coup, j'ai eu des cadeaux, donc je vais faire un petit haul. Donc, il y aura une partie livresque, donc avec des livres, et une autre partie qui ne sera pas du tout livresque, si je regarde en bas, non, parce que bah, je les ai en bas, enfin, de ce côté, quoi. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par ce qui n'est pas livresque, parce que bah, c'est le plus court. Donc, en premier, j'ai eu deux couteaux, donc ça, c'est de la part de mon frère, il m'a offert ça, c'était deux couteaux à lui, en fait. Je suis grave contente. Et le deuxième couteau, donc c'est un couteau, d'ailleurs c'est avec celui-là qu'on a fait la citrouille d'Halloween. Si tu me suis sur mon Instagram, t'as pu voir que j'ai fait une citrouille d'Halloween. Et enfin, avec mon frère quoi. Et c'est avec celui-là qu'on l'a fait. Du coup voilà pour les deux cadeaux que j'ai eu du côté de mon frère et que je suis très contente. Voilà, merci mon frère. Donc ça c'est un cadeau pas uniquement pour moi parce que bah c'est un puzzle, voilà. À savoir que je fais les puzzles en général avec ma mère et mon père et que ma maman et mon papa. Il est grave beau, donc ça fait, je trouve ça que ça fait grave ambiance Harry Potter. On a le magnifique reflet de la fenêtre. Ça fait grave Harry Potter, je trouve. Enfin, plus qu'Harry Potter, ça fait alchimiste du style Nicolas Flamel. Enfin bref, voilà. Grave contente. Ensuite, donc, c'est quelque chose que je trouve grave beau. Voilà. C'est un t-shirt. Un t-shirt, voilà. Avec Star Wars. Grave beau. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est une blague. À savoir que de base, je devais avoir plus de trucs en vêtements. Parce que c'est le seul vêtement que j'ai eu. Mais en fait... dans notre famille, on a la tradition de, pour le nouvel an, on a tous les vêtements de neuf, donc pull, t-shirt, pantalon, tout, vraiment tout, genre chaussettes et tout quoi. Et celui-là, c'était le seul qu'ils avaient trouvé en double, donc deux t-shirts quoi, donc ils en ont gardé un pour le nouvel an, et ils m'ont donné l'autre. Ensuite, donc ça c'est moitié livresque que j'ai envie de dire parce que bah c'est une guirlande donc classique, ça faisait pas mal de temps que je voulais parce qu'en fait on en trouve majoritairement pour Noël, en tout cas les guirlandes que je veux, moi on les trouve pour Noël, donc ça c'est une guirlande blanche, je crois chaude, de couleur chaude, je ne sais pas, je veux pas dire de bêtises mais bon. Savoir que j'ai déjà trois guirlandes dans ma chambre, deux blanches, une chaude et une froide et une de couleur et j'en voulais une autre en plus parce que bah j'en ai deux en bas et une en haut. Et ensuite là on passe au livre et très contente. Donc comme vous le savez sûrement, j'habite au Costa Rica mais je suis française, ça fait bientôt 4 ans que je suis au Costa Rica, mais je suis française donc on a ramené des livres de France et ça faisait très longtemps que mes parents ils avaient ça, ils ne me les avaient pas encore donnés, donc ils me les ont donnés bah, cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si j'ai la saga complète, on verra bien, mais en premier c'est... Ulysse Moore, donc j'en ai 5, j'en ai 6, mais le premier on l'a en double. Très sincèrement, ça m'a l'air d'être une bonne série, alors je vais vous juste montrer comment c'est écrit dedans. Voilà, c'est un peu écrit gros, un peu espacé et tout, mais ça m'a l'air d'être une très bonne série, donc bah, même si c'est écrit, même si ça peut être jeunesse, ça paraît jeunesse au niveau de comment c'est écrit, ça m'a l'air d'être quand même une très bonne saga. Ensuite, donc c'est Le Livre des Étoiles, j'ai les 3 tomes. Je sais pas si c'est toute la saga ou si c'est juste les 3 premiers tomes de Eric Lom. Voilà, donc 3 tomes. Et pour finir, savoir que je lis en anglais, espagnol et français. Donc bah, au Costa Rica, c'est plus pratique que de lire uniquement en français parce que du coup, bah, tu peux acheter des livres en anglais et en espagnol. Là, ma mère, elle m'a acheté 2 livres que ça faisait très longtemps que je voulais en anglais. Et j'en ai eu un aussi de mon frère qui l'avait dans sa bibliothèque mais qui me l'a donné parce que je l'avais pas et que je voulais l'avoir. Voilà. Alors le premier, il est en anglais et il s'agit de To Hold the Boy I've Loved Before de Jenny Han. Donc en français, c'est À tous les garçons que j'ai aimés, quelque chose comme ça. C'est un film Netflix, enfin il a été mis en film Netflix. Ces deux livres, comme beaucoup le savent déjà, je suis une très grande fan d'Harry Potter.
Je suis une Potterhead. Donc, je sais pas vous, mais personnellement, je trouve que les couvertures d'Harry Potter qu'on a en français sont un petit peu pourries. Je donne juste mon avis, si vous n'êtes pas du même avis, voilà. Mais par exemple, le premier tome à l'école des sorciers, voici voilà la couverture. Je voulais lire les Harry Potter en VO, donc en anglais. Donc, très contente, ma maman me l'a acheté en anglais. Mais comme quand tu compares ces deux couvertures là, je sais pas vous, mais c'est pas la même chose. Il y a des reflets sur ces deux-là parce que bah ils sont encore en emballage, voilà. Je ne les ai pas encore enlevés. Et en dernier, donc ça c'est un livre que j'ai eu de mon frère. Donc comme je le dis, il l'avait dans sa bibliothèque. Il me l'a passé. Il s'agit des contes de Beedle le Bard. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, il me l'a offert et je suis très contente du coup parce que du coup, j'ai tous les Harry Potter. Très contente. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'ai eu un tout nouvel ordinateur, un Aorus 5, donc c'est une bête de course, littéralement. Je ne sais pas quel prix il coûte, mais il coûte assez cher. Très cher. Enfin bref, voilà, on a eu le même avec mon frère. On l'a eu avant parce que bah, avec les cours en ligne et tout, on a préféré l'avoir avant. Mais voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si t'as plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et va t'abonner à mon compte Instagram, Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !